Je m'appelle Olivier Meiss, je suis cinéaste, né à Bruxelles, j'ai 44 ans. J'ai fait mon premier documentaire en Chine en 2003, qui s'appelait Vie Nouvelle, et c'était sur une famille qui vivait dans la zone du grand barrage sur le Yangtze, qui devait être déplacée pour aller vivre dans un autre village dû à l'inondation que provoquait ce grand barrage. C'est un projet qu'on a préparé avec un ami chinois, mais de Bruxelles. Et en fait, quand on est arrivé là-bas, après moult temps de préparation et de financement, on s'est rendu compte que la situation était complètement différente de celle qu'on avait imaginée. Donc, que la famille ne vivait plus trop dans l'ancien village, que l'eau avait déjà monté. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait complètement adapter le scénario qu'on avait fait à la réalité. Donc cette adaptation, cette première nuit où j'ai dû repenser le film en fonction de ce qu'on découvrait sur place, m'a profondément marqué. Et donc voilà, je garde ce souvenir là. En fait, on a beau préparer des choses, c'est vraiment au moment même où on est confronté à la matière qu'on va vraiment décider ce qu'il faut faire.